j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de ma soeur Océane. D'ailleurs elle a un compte sur Instagram, n'hésitez pas à aller la suivre. Son compte sera en barre d'infos, c'est océane-french. Donc voilà, on se retrouve pour faire une dégustation. Encore. Une dégustation américaine, donc il y a tous les produits là. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura un code promo. Je sais pas encore ce qu'il y a dedans, enfin on a... C'est eux qui nous ont fait une sélection de produits. Donc il y a des produits salés et sucrés, donc on va ouvrir. C'est bon. Il y a plein de trucs. Il y a tout ça. Je sais pas si vous voyez. Il y a énormément de trucs. Et aussi, on refait une dégustation avec Océane, même si on a déjà fait deux sur la chaîne. Mais c'est parce que vous aimez bien ça et tout. À chaque fois, vous me demandez de faire une nouvelle dégustation avec ma soeur. Bien sûr, on aime bien ça. Donc, on va tout goûter. On va commencer par le sucré ou le salé? Bah, salé. Salé, ok. Donc, on prend des trucs comme ça au hasard. Et on va noter une note sur 10. Oui, sur 10. Ouais. Donc là c'est les Pringles. Ils sont à la tortilla. Oui, ils sont écrasés. Ils sont écrasés à l'intérieur, c'est tout crasé. Tout crasé. Donc c'est les Pringles à la tortilla. Donc on va goûter. Ça sent bien. Ça sent un peu Oui, ça sent bon. McDo. Non. Bon bref. Donc tiens si tu veux. Merci. 1, 2, 3. Elles sont bonnes hein. C'est les mêmes chips que les chips triangle. Ah ouais, ça a ce goût là les chips triangle. Sauf que c'est plus croustillant les chips triangle. Ah j'aime trop, c'est trop bon, tu veux t'en mettre une autre? Non non. Tu mets combien? 7. Moi 8, j'aime trop. Ensuite on va goûter d'autres Pringles. C'est tiens c'est ce que je peux te présenter. Chili con queso. Donc chili c'est bah, chili avec du fromage. Bah chili c'est chili. Ok. Je sais pas, jamais goûté. Voilà. Il y a plein de trucs salés. Ah j'aime moins l'odeur. Oh. T'es dégueulasse. Ah non mais il y en a partout, ça s'est explosé. Oh, il a fait G. Ça pique terrible. C'est vrai. Voyons. Je vais goûter un petit bout. Ça pleure les yeux. Ça pleure les yeux. Ça goûte pas. Ah si si. Ah si si si. Goûte la mienne. Ben non, j'ai pas envie de goûter la tienne. Ah oui. Là où c'est un peu plus rouge, ça pique. Ah oui. Ah. J'aime moins. Bah la mienne aussi. Oula. Faites Jackie s'incruste. Attends, on va la montrer. Coco. Elle a fait un gros bizarre. Donc ça, tu notes combien? Moi je dis 5, bah ça pique un peu trop. Moi j'allais dire 4. Non, c'est moi la plus exigeante maintenant. Ouais. Bon mais 5. 5 comme pour refaire pareil. On va goûter ça. C'est salé ouais. De la marque tortilla. Eh mais c'est pas comme l'autre tortilla. Tortilla? Mais non c'est pas tortilla tout à l'heure. Ah si c'était tortilla. Rigolo. C'est comme ça même pas, je sais pas si vous voyez. Bon c'est des petits trucs comme ça. Ah ça a vraiment le goût de la tortilla. Ça j'aime pas trop. Peut-être que c'est parce que c'est la tortilla. Bah ok c'est vrai. Moi je mets 3. Moi je mets... Bon 5. Parce que franchement si c'est les gens qui aiment la tortilla, ben ça a le goût de tortilla quoi. Ouais. Mais tu sais pas si c'est le goût ça. Ben si j'avais déjà goûté la tortilla en plus je crois. Tu sais quoi? Non, enfin c'est un plat comme ça, non. Mais la tortilla, c'est la crêpe comme ça qu'on enroule, on met du poulet, tout ça, du riz, tout ça. Tortilla. Ol del Paso, tortilla. Je sais pas. C'est dans la pub, les Ol del Paso, là, c'est des tortillas. Mais non. Attends, je vais regarder. Mais non, tortilla, c'est ce que je pensais, c'est un peu comme de la quiche. C'est de la quiche, mais n'importe quoi, là, là. Mais oui, j'ai déjà goûté. Hein. Mais c'est trop bon, la tortilla. Mais oui, c'est les trucs avec la patate, j'aime trop la tortilla. Mais oui, mais eux ils disent pas ça. Mais oui, j'aime trop la tortilla. Mais eux ils disent pas ça. Mais oui, sur la photo on dirait pas ça. Tortilla, il y a de la tomate et tout dans un plat. Mais vers chez nous, la tortilla c'est la quiche. Mais non. Dans la France, tortilla c'est pas la quiche. C'est pas grave. Bon, ça ou ça? Oh, c'est trop chou. Ça. Oh non, c'est des frites typiques de la marque Andy Caps. Je connais pas.
Ah, ça a l'air de piquer terrible. Oui, parce que c'est rouge en plus. Ouais. Regardez comment c'est. Tiens, goûte. L'autre, on a noté ? Oui. Oui, on a noté. Un, deux, trois. Ah, voilà, l'autre, là, elle a bouffé limite dans la merde. Ouais. Ça pique, hein. Ah, ça pique beaucoup, hein. Ça pique beaucoup trop. Pour les personnes qui aiment les chips et les choses qui piquent, ça, je pense que vous allez aimer. Mais moi, j'aime pas. On vous le recommande. Pourquoi t'as dit ça? Je sais pas, j'avais envie. Tu mets combien? Attends. Moi, je mets 4. Parce que ça peut être bon, mais moi, j'aime pas les trucs qui piquent. Attends, j'ai un fou rire. Voilà, toujours des fou rires. Non, arrête, tu vas pas mettre ça. Si. Allez. Bon, allez, combien, Océane? Mais pourquoi t'as un fou rire? Ah, c'est peut-être ma blague. J'ai fait une blague. Tu donnes combien sur ça? Ça pique la lèvre et tout. 4. Moi j'ai dit combien? 4 aussi ou 3 cheveux? Non, 4. Bon, bref. Ensuite, on va goûter les morceaux de viande là comme ça. C'est des morceaux de viande séchés. La première fois, j'avais pas aimé, mais je pense c'est bon. Enfin, attends, les jalouses, elles vous montrent pas avec vous aussi. Donc c'est comme ça. Ah oui, ça, je me souviens de l'odeur, regarde. En fait, je sais pas si je vais. T'imagines, il y avait Marie-Lou là. Coucou Marie-Lou. Mais avec elle, on avait pas goûté ça. Mais non, mais c'est parce qu'elle est végétale, elle a pas mangé ça. C'est des petits morceaux de viande comme ça. Pourquoi j'avais le souvenir que c'était bon? C'est hyper caoutchouteux. Moi, j'aime pas trop pour de la viande. Pour de la viande. 4. 5. Ça vaut la moyenne. C'est moyen. Ouais, c'est vrai, je vais mettre 5 moi aussi. Enfin, c'est bon, mais moi j'aime pas trop. Ensuite. Oh, c'est excellent. Oh, il y a une bouteille. C'est quoi? Jacques Daniel. C'est quoi? Mais c'est de l'alcool, non? Mais oui, c'est de l'alcool. Ah non, c'est de la sauce barbecue, ok. Mais oui. Jacques Daniel, la marque, c'est une marque d'alcool, je crois. Moi, je me prononce pas. Hein. Je ne sais pas. Ça, c'est de la sauce au barbecue, mais ça, on peut pas trop goûter là. Oui, il y a d'autres choses. Si, on attrape avec les doigts. Oh non! Océane, mon lit! Ça tombe encore! C'est des combos à la pizzeria. Pizzeria. Mais il y a écrit ça, pizzeria! Non, enfin à la pizza! Il y a pas un truc dedans? Oui, ça. C'est du fromage. Ah, oh, mais ça, c'est terrible! Hein. C'est bon. Moi, je donne 7. Moi, je donne. 9. Donc on passe à ça, c'est toujours un truc salé ça. Ah, ça j'aime pas l'odeur. C'est jeune tuyau. T'es sentir? C'est à la moutarde, non? Moutarde. Moutarde. Ouais. Et oignon. Ah, j'aime pas l'oignon. T'as vu, j'ai. Oh, odorat. Tiens. Ah, mais c'est du pain. Ouais. Enfin. C'est du pain. Oh, c'est du pain. Moi j'aime pas. Moi je remets dedans. Ah, j'aime pas du tout. Quoi? Tu me fais rire. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi c'était dans les vidéos? Quoi? 2 hours later. C'est quoi? Ah ouais. 2 heures plus tard. Oh, moi j'aime pas la sauce barbecue. Il m'a attaqué. Mais t'aimes trop toi cette sauce. Mais c'est la trop sauce bien. De McDo. En fait, toi aussi trop. Non, mais c'est trop bien, c'est de la sauce moi, barbecue. J'aime pas trop la sauce barbecue. Ça va avec. Ah, mais goûte! C'est la dégustation, tu goûtes. J'ai pas trop envie ça. Non mais ça, tu dégustation, goûte. Ouais, non, 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 t'as essuyé contre le bord. C'est bon. Non, j'aime pas. Moi, je le bois comme ça. Non mais, oh. J'ai fait. On va goûter ça. Ça, c'est un morceau de bon goût. En vrai, ça va, les chips, il y avait pas mal de bonnes. Hein. Ouais, les chips, elles étaient trop bonnes. Et on n'a pas noté la sauce barbecue. De Baba G's, hein, c'est de la sauce barbecue. Ouais. Moi, je vais mettre 7. Bah t'aimes pas la sauce barbecue? Bah oui mais bon, pour les gens qui aiment c'est bon. Non mais c'est moi qui dis pour les gens qui aiment c'est 10. Et toi pour les gens qui aiment pas? Bah 0. Non pas 0 quand même. Enfin ça va c'est mangeable mais j'aime pas. Bah enfin, mais si t'aimes pas le goût c'est comme la quoi, moutarde. C'est qu'ils aiment pas la moutarde, ben bah, ils aiment pas la moutarde. Ça sent le médicament. Moi bon, je crois que... Oui mais j'ai trop du mal. Non franchement non Lisa ça...
Ah mais c'est un bonbon. Voilà, là tu craques ça. Non. Tout ça, mais t'es malade. Bah il faut goûter hein. Oui mais je goûte. Ouais, elle a pris un énorme morceau. Oh je vous ai. Bon, ensuite on va goûter ça. Et ça c'est sucré salé parce que l'extérieur c'est salé et l'intérieur c'est sucré. Enfin c'est ça, voilà. Il y a de goûter. Ouais, c'est des petits bonbons comme ça. Des petits bonbons. C'est des trucs comme ça, des petits trucs comme ça. Voilà. Regarde, j'adore, elle en veut. Oh, on la voit. Tiens, je te le donne. Elle goûte. Ah non, j'adore, tu mets la avec nous. Ah, on n'a pas donné une note à l'autre. Puis alors, j'en oublie. Tu kiffes. Attends, l'autre au sein, on a pas donné de note. Moi, je donne 3, j'aime pas. 2. Donc, ça, on va goûter. J'ai rien goûté. Ah oui, il y a du. J'ai l'impression que c'est du tuc. Ouais, l'extérieur, on dirait des tucs, mais l'intérieur, non. Mais j'ai pas eu d'intérieur. T'as pas eu d'intérieur? Tiens, me prie bien. T'as pas eu d'intérieur? Ah bah si, j'ai dû en avoir, mais je le sens pas. Tiens, ça. Tiens, Fidji. Fidji, elle va manger à 2 à l'heure. Ah, mais. Ça, moi, je mets 5. Enfin, 6. Parce que j'adore les tucs. C'est à l'extérieur des tucs. Mais l'intérieur, c'est. Non, en vrai, c'est bon. Je sais pas si le peanut butter, on le sent pas. Je sais pas si c'est sucré salé. Le peanut butter, on le sent pas. Il y a léger goût de cacahuète. Quoi? Léger goût de cacahuète. Ouais, c'est pour dire léger, toi. Donc, léger goût de cacahuète. Mais pareil, sec. On va goûter ça. C'est les Red Hot. J'avais déjà goûté ça. Et ça pique terrible, non? Il y a une flamme dessus. C'est des bonbons qui coûtent terrible. Qui piquent terrible. Tu veux ouvrir? Allez. Des petits pastilles comme ça. Non, mais ça pique terrible là. Ah! Ça j'ai l'impression que j'ai de l'encens. Genre, tu sais. Est-ce que c'est rouge? Non. Non. Mais on a trouvé. Ah oui, moi je dis 2. Allez, 3. Bon, ensuite, on goûte les nerds. C'est des petits trucs comme ça, on avait déjà goûté aussi. Mmh, ça pique un peu. Bah, c'est acide. Ouais, t'es acide. T'as pas? Que? Mais pourquoi tu fais cette tête? Oh, tu m'as dit quoi? T'aimes pas? Ah non. Je t'ai dit, t'aimes pas? Si. Moi, j'aime pas trop. Moi, je mets 8. It's good. Je mets 5. En fait, c'est acide, mais au début, ça va. Ça va. Non. Non, enfin, ça va tout le long. Au ça début, va. Et ça va. Bon, bref. Et aussi, dans d'autres dégustations, j'ai dit que je n'avais pas le sucre. Mais ça dépend quoi et tout. Enfin, je suis assez compliquée en nourriture. En plus, ça va, t'es en train de genre évoluer. Évoluer. Non, mais tu. Ça. T'aimes de plus en plus de trucs, quoi, disons. Ouais. Disons. Si, en fait, va. C'est ça, c'est multicolore. C'est la barbe à papa multicolore. Et ça s'appelle les fluffy sticks. Attends, on était là. Oh, du vert. Oh, du rose. Oh, du c'était il y a bleu. C'était il y a plus d'un an. Enfin, un an. Ouais. Moi j'aime toujours. Moi je mets 6. C'est assez bon quand même. Tu donnes combien? 10. Ah oui, ça va, t'as déjà dit. Ensuite, je vais pas dire. Ah bon? Non. Ouais. Donc je disais ça dans la première dégustation, on disait rice. Et voilà. En fait, c'est rice. Et on dit comment? Rice. Ok. Rice, oh là là. Bah tu m'aurais pas dit, j'aurais toujours dit rice. Hein. Oula, Fidji. Tu sais qu'il faut goûter 3 fois quelque pour chose aimer. Ouais. Pour aimer. Parce que donc si ça fait pas au bout de la première fois, faut là ça va faire 3 fois. Donc ça se trouve, je vais aimer. L'extérieur, c'est bon, le chocolat. J'adore Ouais, d'accord, t'as même pas touché l'intérieur, Lisa. Non, pas l'intérieur, j'ai pas goûté l'intérieur. Et bah goûte. Non, vas-y, vas-y. Ça sent bizarre. En fait, 3ème fois, j'aime toujours pas. Tiens. Bon, moi, je mets 5. Moi, je mets. Même 6. Parce 5 que... parce qu'en fait j'aime bien parce qu'il y a un goût salé sucré, chocolat et salé. Mais en fait le truc salé c'est de la cacahuète et j'aime pas la cacahuète. Du coup bah. Moi je mets 6 mais j'ai pas goûté l'intérieur. Mais le chocolat ça va, ça va, il est bon. C'est du chocolat noir. Voilà, c'est Amélie. Moi je veux ouais. Le vert. Ça a pas d'odeur. T'aimes bien les M&M's? Bah oui. Mais j'aime bien parce que là y a pas de la cacahuète. Mais ça c'est les classiques, non? Qu'on peut trouver partout. Ah mais si, y a de la cacahuète dedans. Je me disais aussi, peanut butter.
Putain, mais ils en foutent partout, hein. Mais oui, il y a de la cacahuète. On a dit, j'en reprends pas du tout. Au début, on aurait pas dit qu'il y avait de la cacahuète, et en fait, si. Ouais, c'est ça va, c'est bon. Parce que la cacahuète, elle est pas très très présente. D'habitude, c'est une cacahuète en entière, là, où tu crois que ça te crée. Ouais, c'est vrai. Mais moi, c'est 5. 6. Ça va, on donne des bonnes. Mais oui, là, on est passé vers. Et le dernier truc, on va goûter les pop rock. En fait, c'est des. On met ça dans la bouche, c'est des. C'est ça crispite. C'est du sucre et ça. Ça crispite. Mais non, ça se dit pas. Mais qu'est-ce que tu dis? Ça. Ça crépite. Ça crépite. Ça crépite, oui. Ça crispite. N'importe quoi. Bon, on va goûter ça. Allez, moi je prends comme ça. 1, 2, 3. T'as vidé le paquet dans ta bouche là? Et ça tombait à deux à l'heure. Attends, j'en vois un peu plus pour que ça fasse plus de bruit. Mmh, avec tout le monde, regarde. Alors? Casse-toi. Moi je donne 9. Parce que ça va, c'est bon et. Pareil. J'adore quand ça pétille et tout. C'était trop bon. C'est fini? Oui. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vais vous dire le code promo. Donc vous avez 5% de remise sur tout le site avec le code ThewordOfLisa jusqu'au 15 décembre, il me semble. Voilà, c'est dans pas très longtemps qu'il se termine. Donc n'hésitez pas à passer une commande si vous voulez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne, à partager et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Sinon, on vous fait plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye! Bye.